always get a meal with brick. C'est la première fois sur ma chaîne qu'on va faire une vidéo sous-marine et j'ai commandé pour 220 balles de matériel, donc j'espère que ça va vous plaire. Vous l'avez lu dans le titre, hein, donc l'idée ce serait de voir si on arrive à récupérer le drone qu'il a perdu dans le lac Léman. La lumière du matin. Mais ça, il m'énerve. Tu sais qu'à chaque fois, il me griffe la voiture quand il monte dessus, mais... Il a glissé. J'adore mes chats, mais bon, des limites quand même. T'as un truc là. Ha bah. Moi je klaxonne que si j'ai besoin de freiner ou de... T'as toujours pas mis ta ceinture? Non. On est sur l'autoroute? Ben non, on arrive. Tu fous de ma gueule? Mais... Tu veux un M&M? Tiens. Moi j'ai pas fait dehors. Et voilà. Deux petites heures de retard. Ça va, c'est pas trop. Paul va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec son drone du coup. Je l'ai envoyé à une certaine distance, que je ne dirais pas combien sinon j'aurais des problèmes avec les autorités. On était tout là-haut, hein, tout en haut du laveau, et on filmait un bateau sur le lac Léman. Et j'avais 7 minutes encore d'autonomie pour revenir, du coup je suis revenu tranquillement. Sauf qu'au retour, bah, il y avait des énormes rafales de vent tellement fortes que ça a même fait trembler la gimbal. Et c'est passé de 7 minutes à 3 minutes, et du coup bah, j'ai fait virer droit vers la côte, tant pis où il tombait, je voulais juste qu'il tombe sur la côte. Quoi. Ensuite à quelques mètres donc d'ici, hein, vraiment à littéralement 15-20 mètres d'ici, bah, il a fait une surchauffe des moteurs et j'ai perdu le retour caméra et je pense qu'il est au fond de l'eau. Quoi. Bah, la dernière position enregistrée est sur la côte, dans l'eau. Donc. Juste là, à 15 mètres. Donc, c'est la mission aujourd'hui, c'est qu'on va plonger, on va voir si on arrive à le retrouver. Bon, ça fait quand même plus d'une semaine qu'il est dans l'eau. Ouais, 10 jours. Ouais. 10 jours, donc dépendant les courants, je pense qu'il a peut-être, bougé. Mais... C'est juste la profondeur le problème. Le problème, ah, le problème, l'inconnu. Et là derrière, il y a plein de gens qui sont en train de dormir dans leur sac de couchage. Eh, hey, s'il marche, moi je te le rachète. Il marchera pas. Non, ça c'est... Ouais, peut-être si tu changes la batterie, ça peut marcher à part ça. Hein. Mais ça fait 10 jours qu'il est dans l'eau. Je tiens à préciser, c'est le masque que j'ai acheté. Alors c'est pas super esthétique, j'avoue, ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est super pratique. C'est froid? Non. Le périmètre il commence ici, à partir de cet arbre, et il va jusqu'au rocher là-bas. Donc on a tout là pour essayer de trouver où il est. Ça va pas être facile, hein. Je pense honnêtement qu'on va pas y arriver. Mais en fait, ça filme depuis avant. Salut. On est bien quand même sur le rivage. Bon bah voilà, c'était un énorme fail. Mais c'était un peu perdu d'avance. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, ça n'a pas vraiment marché, on n'a pas réussi à trouver le drone, en même temps c'était un peu le défi impossible. J'espère que la vidéo elle vous aura plu quand même. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir la suite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci pour les 8 abonnés. Ciao. Salut.